Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Commençons les chapeaux de roue. On a enfin acheté notre nouveau mur, donc le mur à convoyeur, donc on va pouvoir faire passer trois convoyeurs par le mur. Bon, au final, j'ai mis des tiges, mais c'était long, donc je suis allé ramener des rotors. Qui... Oh bah étrangement ça produit un peu plus de bons là, hein, de 2800 à 16800, voilà. C'est pas mal, hein, 14000 de différence, c'est pas mal. On va maintenant aller chercher les mines de charbon qu'on avait trouvées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les charbons vers le fer, parce que je ne suis pas sûr qu'au niveau du charbon, enfin je sais pas en fait où est-ce que le charbon, comme au niveau du fer j'ai pu faire une petite plateforme, je me suis dit autant ramener le charbon, ce sera plus simple. J'espère que j'ai raison. On va faire le plein également de plaques de fer. J'ai les tiges, j'ai pris pas mal de béton. Voilà. J'ai pas tant que ça de fil électrique, on va reprendre un tout petit peu. Voilà, on va se laisser une petite place de libre. Bon, dans tous les cas, sur place, maintenant vu que là je vais faire du trajet. Ouais, mais j'aurai les forêts portables en moins, donc c'est pas un problème. Alors, charbon. Voilà, c'est juste en face, 400 mètres, pas très loin. Bon oui, le souci c'est qu'en faisant ça, évidemment, bah mon acier sera vraiment plus long. C'est pas très grave. Youhou ! Ah, j'aurais pu prendre les... Comment ça s'appelle ? Les éclats de charge pour augmenter la production. Oula, 80 mètres. Oula, 80. Oula, mais on a 4. Normal. Non, ah, d'accord, il y a 4. Ok. Donc les éclats de charge disaient pour augmenter la prod. Bon, on va descendre. Ah, un peu foiré mon coup là. Ah, bien évidemment, on va devoir tirer des câbles sur tout ça. À niveau hauteur, ils vont peut-être me dire, faut pas déconner non plus. Ah, double, triple et simple au niveau des convoyeurs. Ok. Ah, c'est pas mal. J'avais pas le truc là. Allez, non, moitié, merci. Non, dégage toi. Voilà. Voilà, ah. Impec. Tac, ici on va y placer notre foreuse. Parce que là elle va produire 60 si je dis pas de bêtises. Ouais. Que si je mettais un éclat de charge, là, je pourrais au moins la faire produire 250%. Pardon. Donc 150. Ok, donc un de charbon. Il y en a un autre là. Est-ce que je vais faire ça? Je sais que je vais niveler, je vais tout mettre sur le même niveau. Ça remet une double rampe. Euh...
voir ce... Ah, je suis en mode simple. Ah ouais, d'accord. Je me disais, c'est bizarre, c'est long. Censé être en mode zone là. Et je crois que c'est buggy. C'est pas bien grave. On arrive sur notre charbon au moins. Simple. Regarde, mode zone. Non, R passe au mode zone. Voilà. Ouais, bon, ça déconne un peu. Comment je remonte? Voilà. Oh, zut, j'ai pas vu. Voilà. Suivant. Moche. Centaine de mètres par là-bas. De voir à peu près où est-ce que c'est parce que je n'en ai point l'idée. Ok, ça reste sur le même niveau. Ok, vu que tout est au même niveau. Oups. On a vu. Ça c'est pas garanti de prendre. Je pense que là on sera pas trop mal. On peut en rajouter deux. Voilà. Ah d'accord. Parce qu'ils considèrent que mon inventaire est plein et qu'ils mettent un seul à la fois au seul prix. Reste là toi, pas bouger. T'en as deux. Pardon ? Là. C'est bon ? Ça vous a calmé ? Rien demandé moi à la base hein. Hop Ah bah en hauteur on est plus. On est sur de la hauteur supplémentaire. Hein? J'avais pris ça? Merde. Oh bah non pourtant. Déjà ici, double rampe parce qu'il faut pas décoller. Ok. Et les foreuses. Avec et l'autre avec le manque de foreuses portables. J'étais parti sur 3 à la base. Bon, tant mieux, ça en fait 4. Parce que de l'acier, on va devoir en produire beaucoup.
Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, c'est que ça a changé. Oh, ok. Je croyais qu'il y avait un nouveau truc. Non, je me suis fait avoir. Oui, foreuse. Oh non. Ah si. Quoi? Elle est où? Bah. Je suis pas fou, j'ai réussi tout à l'heure. Je suis pas fou, c'était devenu bleu. Non? Attendez les gars. Quoi? Non mais d'accord. Voilà. La plateforme. Voilà. Sachant que... le fer est là-bas. Donc il va falloir faire une petite plateforme de montée là. Attendez, je suis en train de penser à un truc. Là, j'en ai 4. Ouais, mais là j'en prends 60. Ouais. On va regrouper tout. Et on va les mettre en 3, 3 convoyeurs. Oh, ça va faire cher les convoyeurs. Ah oui, oui, je suis en train de penser, mais... il va falloir que je fasse du convoyeur en plaque de fer truc là. Plaque de fer renforcée, ça va être cher. Bon, c'est pas très grave. Ici, je vais tenter de monter. Je vais tenter de là. Ça nous amène. Hop. Ah, c'est con ça. C'est pas prévu ça. Hop. Ok. Ah merde! Ah, j'ai un tout petit décalage. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, on va tirer les câbles. Ça, ça joue vraiment pire. Hop là. Je crois que j'ai même pas alimenté là-bas les... ouais, les foreuses sont même pas alimentées. Je sais même pas si j'ai descendu le câble au final. Si, non, j'y ai pensé, mais. Hop, non. Hop, là on va descendre le câble. Et ici, c'est là qu'on va commencer nos constructions. Alors. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça. Ici, on va faire. Tac, tac. Non. On va faire comme ça. 5, 4, 3. Ouais, c'est bon. La 2. En électricité, je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de câbles. Si jamais qu'on ait besoin de ça. Hop là, ça dégage. Donc ici, voilà, j'ai les murs là, les magnifiques murs. Voilà. Ouais. Par contre, si j'ai pas ma logistique, ça va pas le faire. Si j'ai pas ça, on va décaler. Voilà. Du MK2 carrément. Ouais, non, on va éviter. Je fais du MK1 là. De 60.
ça, et ici, j'ai ma prise murale. Magnifique. Et là, bah, y a plus qu'à continuer. Attendez, j'ai fait une prise murale simple. On fait une double. Alors, on essaie de faire ça bien quand même, faut pas décoller. Voilà. Comme ça, il est présent des deux côtés. Comme ça, là je devrais avoir une petite production déjà de charbon. Là. Non, c'est ça. Hop, 5. Je pars en... Oula. Ouais, on va éviter ça, c'est dégueulasse, c'est moche. Ça aussi. Ça. Oh. Terrible. C'est pas vrai ça. Ah oui, non, mais on s'en... Voilà. Le charbon arrive. 60. Mes convoyeurs font 60. Impeccable. Toi. Non, c'est pas ça, c'est 8. Comme ça, ici, j'en ai un double. Oui. Jusqu'où je peux aller? Jusque là, on va mettre un mur là. Hein. Hop. Ouais. Hop, à mon avis, je vais pouvoir arriver pile où il fallait. Impeccable. On fait le virage. Waouh, ouais, petit coup de lag mental, hein. Voilà. J'ai bien branché. Ouais, j'ai zappé. Hop, ma ligne électrique là, ça n'est pas. C'est terrible par contre. Tant que j'ai. Ah oui, mais j'avais même pas foutu ça là. Bah alors, qu'est-ce que j'ai foutu moi? Ouais. Voilà. Ça. Ça c'est moche, on va mettre ça là. Peut-être pas en fait. Descendre ces deux là, on va les rejoindre à cet endroit là, allez. Donc c'est où c'est ça? On a trois convoyeurs, enfin, trois passages de convoyeurs. Ok, là on a pris, là on est là. Lui ici pour aller monter les deux. Là. Tiens, je sais pas si je peux. Ouais, je peux peut-être pouvoir utiliser ça. Regroupeur qui se barre par 3. On va y avoir MK1, donc on va y avoir MK1. Voilà.
Et ici, bon, forcément, il va me falloir du MK2. Voilà. En théorie. Je me trompe à chaque fois de touche. Ça reviendra. Voilà. En théorie, là, on est censé avoir ça. C'est moche, hein. Voilà. Parce que j'étais en angle, j'étais en droit. Le droit était pas très très beau. Ok. Ah. Là j'ai juste à faire direct. Bon, le droit est... Le droit en montée est vraiment dégueulasse. Ah, j'ai que dalle. Terrible. Ça va marcher? Je sais pas marcher là. Tac. Voilà. Ah ouais. On va remettre en droit. Attends, je sais jamais. Pas du tout. Ici c'est des MK1. Et ici c'est MK2. Mais il n'y a pas un MK2 ici. Attendez, il y a des... Mettre le MK1 là. Ou le MK2. J'ai pas du tout mis le MK2. Bon. Étrange. Hop. Voilà. Voilà, ce qui est bizarre, c'est que... On peut pas dire, là, ça part de là et ça va là. Ah si. Oh, tiens. Oh. Peut-être en fonction du placement qu'on a. Bon, c'est pas grave. Tac. En haut de la montée, là. C'est bien, je sais pas quoi là-bas. C'est chelou ça. Là ça avance. Oui, non, j'ai oublié ça. Ah. Ça arrive au compte-goutte, donc j'ai dû... Là, ça arrive au compte-goutte. J'ai dû en oublier un. Je me demande si c'est pas là. Non ? Là ? Ah ouais. Voilà aussi. Et là, non. Ok. J'ai cru que j'allais me mener. Mais non. Hop. Hop. Hop, il y a du trajet à faire. Il y a du trajet, mais on va voir à terme, c'est vraiment mieux d'avoir ça. Le faire proprement, ce sera vraiment mieux. Hop, là. Non, c'est juste, je vais mettre le mode droit. Je vais mettre le mode. C'est du MK2. J'ai pas mis que c'était du. Si, oh là là, dis donc, ça améliore. MK2, MK1, MK1. Oh là là, qu'est-ce que ça améliore. Ah, là, je suis pas sûr qu'on puisse aller tout en haut par contre. On s'arrête ici. Okay.
Ah, il y a eu un loupé là. Il y a eu un sacré loupé là. Voilà. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Qui va être bien là, c'est que je vais pouvoir fermer. Je vais mettre des murs, style mur basique, ou enfin des trucs comme ça sur les côtés, et on ne verra pas du tout. Et rien que ça, ça fera moins laguer, parce que là, mine de rien, ça fait un peu. Ça fait utiliser un peu de puissance de calcul, quoi. Ils sont sur mon PC sur lequel. Alors, je crois que. Je suis même pas sûr, je crois que ma carte graphique, elle doit faire 2 ou 4 gigas. Je me demande si elle fait pas 2 gigas, en vrai. Ah, peut-être du 4. Peut-être que j'ai investi dans une 4 à l'époque. Et bon, autant vous dire que dès qu'il y a un peu trop de graphique... De graphisme... Ah, c'est mieux. Ça, c'est pas... C'est pas très bon, quoi. Ah, les plaques de fer renforcées en plus, ce qui est bien c'est qu'on n'a pas utilisé. Enfin je les ai pas utilisées pour les pour les tickets là. Ah oui non bah alors ça. Ah oui, je vais devoir vider mon inventaire. Ah oui, vu que j'ai coupé du bois et des trucs comme ça là. Bon en vrai je vais pouvoir vider vu que j'ai déjà tracé la route. Normalement je devrais pas avoir de soucis de bois. J'ai vu que j'ai quelques charbons. Voilà. Ça va là-dedans. Et j'ai du bois. Ouais. Que je vais aller foutre là-bas. Hop, c'est cadeau. On récupère les plaques de fer avant de partir, quand même, faut pas déconner. On est bien, hein. Je pense pas oublier trop de choses. Bon, en vrai, je pense qu'on va devoir refaire un aller-retour avec les plaques de fer. Pas bien grave. Du coup, ça finira pas faire loin, mais je pense que c'est moins loin. Je pense que notre production de fer est quand même moins loin que notre production de charbon ou notre production de cadre modulaire là, qui part à l'autre bout là. Avec la brume. Ça fait quand même stylé, hein. Faut dire ce qui est. Je sais que j'étais bon en vitesse, mais pas du tout. Bon, on va le faire à l'ancienne. Ça marche très bien aussi comme ça. La question. Est-ce qu'on y arrive là? Ah bah non. Là.
C'est un peu désert le coin quand même. Bon, tant mieux. Enfin, tant mieux. En disant qu'on n'aura pas de bestiaux quoi. Hop. On se rapproche petit à petit. On n'est pas à côté encore. On n'est clairement pas à côté. Oula. Dommage. Bah alors, je suis... Bah... Oh, c'était bizarre ça. Une belle descente là. Donc c'est derrière la colline là qui remonte. C'est un peu comme quand tu fais du vélo. On est bientôt arrivé. Ouais, ouais, derrière la colline, t'inquiète. Ok, ok. Derrière la colline, c'est... Ah oui, en fait j'ai oublié, il y avait une autre colline derrière. Ah non. Non, là je crois qu'il y a... Il y a pas d'autre colline. Là il faut... Bah, vous voyez là la plateforme là. Bah on la voit de loin là. En fait c'est à peu près on y est à ce niveau là. Oups. Alors, on va voir jusqu'où on peut aller. Jusque là, très bien. Après je compte comment ça me fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est tous les 6. Oui, c'est pas. C'est pas énorme. Hein. Trop bien, ça marche. 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Hop là. Consommation de plaques de fer. Ça pique. Quoi? Où ça? Quoi? Oh merde, en plus ce truc là. Je suis en plein dedans. Moi. Voilà, on n'en parle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas relié là. Si j'ai relié, comment ça? 1 sur 4, 1 sur 4, ok, oh, c'est bizarre ça. Écoute. 2, 3, 4, 5, 6.
impec, tac. C'est bien de les faire deux par deux, mais encore faut-il avoir la possibilité. Voilà. Je vais essayer de grimper là. Bon, ça va pas. On va tricher. Ça me dit non là. Voilà. Non, j'avais tellement galéré à monter. Ouais, c'est pas grave parce que là je crois que je peux, si j'arrive à rester après. Bah. Et voilà. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'aime bien comme tu as dessus. Oh. Oh là là, il m'a fait descendre. Oh, et puis je loupe tout 3 sur 3 de louper, tu vois. Voilà. J'avais pu remonter du coup. Voilà. Je me disais bien que je voyais de la lumière. C'est bizarre. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh merde. C'est vrai que c'est double qui dit 2. 3, 4, 5, 6. Faut un petit zoom, un peu comme je sais pas quel jeu d'ailleurs. C'est du MK2 là. Ah oui, c'est du MK2 de même gamme. Youhou. Ah. Ah, on arrive, on voit on voit la plateforme. Alors. Deux, trois, quatre, cinq, six. Vous savez quoi, je vais sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va tenter une autre méthode de construction. 1, 2, 3, 4, 6. Voilà. Tous les trucs là, ça se saoule. Donc quand j'ai mes punitions, on avait pas eu beaucoup, mais quand on avait des lignes à copier là, comment. Alors ouais, ça c'est une bonne question. Comment vous faisiez vos lignes à copier? Moi personnellement, j'étais de la team. Si j'avais 50 fois une phrase entière à écrire, j'écrivais 50 fois la première lettre, 50 fois la deuxième lettre, 50 fois la troisième lettre, etc. Ou le premier mot, lettre ou mot, parce que des fois c'était très long. Oh, on avait un prof. Oh là. Prof de maths. Je sais plus comment il s'appelait. On l'appelait Monsieur Sadik. Je suis désolé s'il y a un mec qui s'appelle Monsieur Sadik qui est prof de maths. C'est pas de toi que je parle. On fait pas. C'est ce gars, il donnait. T'avais déjà des lignes à copier. Ça a augmenté, hein, ça a multiplié par 5 si tu l'avais pas fait pour. Si tu l'avais pas fait, c'était multiplié par 5 hein, là pour la fois prochaine. Hein. Donc fallait les copier. Lui, pareil, si tu le fais au bout de la deuxième punition,
C'était un truc du genre, si tu l'as pas fait sur ta deuxième punition, Non, c'est pas une question si tu l'avais pas fait, je crois que c'était sur ta deuxième punition tout court. Ensuite, tu recopiais ces mêmes lignes, mais tu changeais, tu devais mettre chaque mot d'une couleur différente. Et il y allait plus loin, hein. Il y allait toujours plus loin, hein. C'était une troisième punition, c'était chaque couleur d'une lettre différente. C'était terrible. Ce gars-là, c'est un génie, hein. En vrai, non, un génie. C'est-à-dire, je trouve que les lignes, c'est pas... c'est pas avec ça que tu vas apprendre à un gosse soit faire ses devoirs ou ses machins, tu vois. Mais... il était inventif, quoi. Il y en a, il a terminé avec je sais plus de combien de centaines, voire un... Je me demande si à la fin, je suis à peu près sûr qu'il avait au moins 600 lignes à copier. Chaque lettre couleur différente. C'était un... le pauvre. Bon, tu me diras, il l'a mérité, mais... les merdes qu'il faisait, il mérite. Hein. Mais là là. Alors je sais pas de quel team était, de quel team vous étiez, vous, si jamais vous avez déjà eu des lignes à copier. Est-ce que vous faisiez ligne par ligne, ou mot par mot, lettre par lettre. Peut-être une autre méthode que je connais pas du tout. Dites-moi. En vrai. Ça devrait plus me servir, hein. Normalement je pense que... je pense qu'à partir du jour d'aujourd'hui... j'ai amélioré. Aujourd'hui, ma punition consistera à me faire virer si jamais je fais vraiment de la merde, quoi, donc... ah merde, je fais trop loin. Donc bon. Mais c'est juste pour savoir, quoi. Eh ouais, je trouve ça... je trouve, disons, que les lignes à copier sont pas les, la manière la plus intéressante de punir un gosse, quoi. Enfin, je suis pas contre la punition, loin de là. Donc ça lui soit un minimum, faut que ça lui ait un minimum d'intérêt, quoi. Les lignes à copier, je ne dois pas faire de conneries. Ouais, super. Je ne dois pas dire de mensonges. Pour ce courant, la ref. Non, non, tu donnes un bon exposé à faire, tu vois. Bah, par exemple, il a dit une insulte. Écoute, mon gars, exposé à faire sur l'insulte, d'où elle vient, origine de l'insulte, etc. Plein de trucs comme ça, tu vois, ça peut être intéressant. Et ça, c'est constructif, parce que le gars, il en sort un minimum, on va dire, instruit. Il en sort peut-être pas grandi, mais tu me diras des lignes. T'en sors pas forcément grandi à écrire des lignes, hein. Au moins, il en sortira un minimum instruit, quoi. Donc t'auras réussi à faire ton taf. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est même ça, je suis pas prof. Ça reste qu'un avis totalement non subjectif. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hop. J'y arrive pas décidément là. Ouais, ça a l'air d'être relié parce que ça fait des petites étincelles. Moi personnellement, je relie un truc électrique, ça me fait ça. Si ça fait des étincelles quand je relie un truc électrique, je débranche, vite. Ou alors c'est que j'ai fait bien de la merde. C'est qu'il y a ça aussi, l'électricité. Il y a plein de gens. Bah alors, ah, voilà. Il y a plein de gens qui ont peur de l'électricité. Bon, je comprends. Enfin, je peux comprendre, hein, mais... à dire, à faire une côte François, les machins, les trucs comme ça. En vrai, l'électricité, bon, bah, c'est de la connaissance, hein, c'est comme tout. Si tu connais un minimum, que tu fais un minimum attention. Mais... l'électricité, c'est pas plus dangereux que ça, hein. Je peux vous dire, j'en ai fait des conneries, hein, moi. On a fait des conneries, hein. Pour ce... ça va peut-être parler à peut-être genre un d'entre vous, mais vraiment ça peut parler à presque aucun d'entre vous. Disons que j'étais sur des tables d'essai, on faisait de l'électronique à l'époque. Et... alors, il est possible que j'ai laissé traîner quelques câbles. J'avais pas vu qu'ils étaient alimentés, qu'il y avait 32 ampères sur la table, mais bon.
Ouais, 32 ampères. 32 ampères, vous avez quoi tuer n'importe quel animal avec 32 ampères, hein, vous en faites pas. Je pense que même un dinosaure, ouais, largement, même un dinosaure avec 32 ampères il y passe, hein. Pas de problème, un diplodocus, tout ce que tu veux. Hein. Hop là. Il y avait pas mal, oui, bon, juste au cas où il y avait aussi pas mal de tension. On va être sur du 16 volts. Oh, il y a de quoi tuer pas mal de gens là. Là, tu fais une. Oula. Ah, disons que j'avais pas vu que j'avais lancé le générateur quoi. J'ai lâché un petit test et là. Ah. C'était à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, un truc comme ça. Profil il fait. En fait. Tu sais que t'as alimenté là, tu fais. Ah ouais. Tu sais que t'as des câbles sur la table. Ah merde. T'as le prof, il recule en mode. Non mais moi je m'approche pas de ça. Hein. Il a raison, hein, il a raison, c'est hyper dangereux quoi. C'est... Mais bon. Que voulez-vous. C'est comme ça qu'on apprend. Là. Ah, c'est bizarre. Il y a du méchant dans le coin mais je le vois pas. Il doit être planqué quelque part. Peut-être derrière. Là. Bingo. Oh lâche. Ah, il m'attendait en trappe. T'inquiète. C'est maman truc ou c'est bébé truc ça? Ouais, ça a pas l'air d'être maman truc. Je ne me fais pas avoir par un piège aussi minable. Ouais, j'aurais totalement pu tomber dedans. Si j'avais pas eu le message disant attention, présence hostile détectée. Je crois que j'y serais allé le fleur au fusil. Hein. Hop là. Voilà. Alors, sur le nivellement, on est comment? Ok. Et merci. Alors, tac tac tac. 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 Bah même principe, hein, là on va ramener notre prod. Alors. Hein. Décaler un peu, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Une sortie là, une sortie. Voilà. Donc, c'est le MK combien lui? Il est pas censé être un MK2 lui. Il est en MK2, très bien. Et, angle droit. Wow, c'est ça ton angle droit toi? Ah non mais de la merde ça aussi. Fais moi un bel angle droit. S'il te plaît. Ah, lui il est bien, mon angle droit. Ah, dommage que je fais du MK1. Hop. Un petit deuxième angle droit là. C'est un peu trop droit là, faut pas déconner non plus. Hop, bon, dégueulasse. Ok. C'est bon, une petite pierre pour pouvoir remonter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah bah, c'est bon. Il me faut 3 foros portables. 1, 2.
One. Vice. 3. Impeccable. Tiens, c'était bizarre ça. Ah oui, c'est parce que j'ai retiré le. Pause, production. On est droit. Ah ouais, il est si loin que ça, lui. Ah, ok. Voilà. On va remonter. On va aller chercher. On va tirer la lime. On va tirer les câbles. C'est le saut pourrieux là, c'est... Voilà. Voilà. Impeccable. Chacun... Oh, et mon vieil, s'il te plaît. Voilà. Ah mais attendez, il y a un truc, c'est vrai que c'est ballot ça. C'est que là j'ai pas assez de fer par rapport au charbon. Ah merde. Mais c'est bizarre que ça soit si long que ça. Voilà. Ah oui. J'ai pas un petit normal là qui traîne dans le coin. Ouais, du charbon impur, impur. Normal. Ouais. Ah c'est un peu couillon. On verra, on verra. Je sais même pas si vraiment avoir besoin de tout. Je devrais avoir tout ce qu'il faut pour terminer là les longueurs. Ça c'est bien. C'est une très bonne nouvelle. Il faudra quand même que je fasse un aller-retour pour aller chercher le matériel de construction parce que là j'en ai plus beaucoup. Ouh, mais regardez là on a tout tiré, c'est très bien. Tac. Tac. Voilà. On a le minerai de fer qui arrive. Il s'est retourné. Ok. Et c'est pas mal tout ça. Hein. Et c'est là qu'on mettra tout... C'est direct les fonderies. Hein. Ah, c'est les fonderies. Les fonderies qui, à partir du charbon direct et du minerai de fer, nous faut des lingots d'acier. On a 240. Ouais. On va pas avoir un chiffre rond. C'est pas très grave, on aura 5 fonderies. Et si jamais je fais... Mince. Si j'en ai 3, c'est beaucoup plus simple. Peut-être faire ça. 180, là, ça me fait 4 fonderies tout pile. Après, est-ce que ce sera suffisant pour faire tout ce que je veux ? C'est fort improbable parce que si je regarde l'atelier, j'ai des poutres et des tuyaux.
À terme, j'aurai aussi des. Du béton armé, des trucs machin. Et des poutres, il va falloir une chier aussi. Hein. Le tuyau, j'en aurais un peu moins besoin sur le début, plus. Un certain état d'avancement. 4 et 3. Le tuyau, c'est 3. Attends. Ah 60 pour 15, eh oui, ouais. Et 30 pour 20. Ah ouais. Ah, le rendement des tuyaux est carrément meilleur. Ben j'aurai je pense deux productions de poutre pour une production pour bah non, deux productions de poutre, deux productions de tuyaux. Sachant que deux productions de tuyaux c'est 60. Donc 60 plus 60 plus 60. On arrive bien aux 180. Bon, on va faire ça. Ça ce sera pour le prochain épisode. Ça y est quoi, avec un peu de chance, j'ai tout ce qu'il faut pour le prochain épisode. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour le prochain épisode. Ah, peut-être pas les convoyeurs. Ah bah non, pas les convoyeurs. Je crois 93. C'est... Non. Bon, dans tous les cas, là, je vais devoir faire le retour et... En fait, surtout, je vais replacer là par-dessus des... Allô. Non, j'ai pas le droit. Je vais montrer comme ça, vu qu'apparemment j'ai pas le droit. Voilà. Bah, je vais devoir refaire le passage, mais en sens inverse, comme ça quoi. Oh putain, l'aveugle, c'est chiant, je vais y passer un moment. Moi, ça va être chiant. Et ce qui fait que ça va me cacher en fait. Bon, je vais vous montrer vite fait juste avec la montée là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Faire comme ça et j'aurais plus qu'à mettre des murs. Hop, sur les côtés. Bon, le problème c'est qu'en pente j'ai pas encore les murs que je peux mettre en pente. Je vais même trop là. Bon, en fait ça va bien me cacher l'intérieur. Ça me fera beaucoup moins bugger. Soyez-en sûr. Oh, c'est trop bien les petites descentes comme ça. Hop, là j'en ai une ici également. Un comme ça, et puis on est très bien. Maintenant la question c'est comment je remonte sur ce saloperie de truc. Parce que c'est bien de faire un passage vers le haut, mais là faut que je puisse remonter quand même ça. En plus je crois que ça gêne pas. Oh, c'est plutôt bien en vrai. Hop, et là si je le montre avec ce mur là. Voilà. Ça fait quelque chose de bien. Bon, c'est pas très très joli quoi. On va pas se mentir, c'est pas très très beau. Mais disons que c'est passable. Bon, de ce côté là on voit pas. Et si je vous le montre je vais tomber. Donc on va éviter de me le montrer. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. C'était Tiob. Ciao.